les gens, j'espère que vous allez bien. Ce petit week-end, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, on devient pilote d'avion de chasse. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, par quoi on commence? Par les équipements de vol. Donc, tout ça, c'est ignifugé. Donc, en cas d'incendie à bord, le caleçon, je le garde du coup. Oui, oui. Tiens mon pyjama. On rentre. Quadriceps, les mollets, voilà. C'est bon, c'est correct? C'est correct. C'est des chaussures de vol? Voilà. Pour l'instant, il est en train de se mettre en route, hein. Et voilà, moi. Comment tu vas? Très bien. Tu vas être mon pilote. Comment ça va se passer? Voilà, normalement, ça devrait très bien se passer. À combien de kilomètres heure on va aller à peu près? 800 à 900 km/h. D'accord, donc ça, c'est. D'accord, on va prendre un. Bah, du coup, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que je vais devoir monter là-dedans en fait. Quelle vitesse est le départ? 700 km/h, c'est plus rapide qu'une voiture en ville, quoi. C'est bon, t'arrives à te connecter dessus? Donc là le gros truc est dans mes secs qui est kaki, c'est la tour de contrôle. TM Sylvain, comment tu vas? Bien et toi? Parfaitement. Présente un peu ton métier au sein de l'armée de l'air. Je peux dire. C'est d'être contrôleur aérien, gérer tout ce qui est trafic aérien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir contrôleur aérien dans l'armée de l'air? Servir mon pays, pour citer le célèbre JFK. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On se croirait dans Star Wars. Putain, j'ai monté là-dedans. Adieu. Alors qu'est-ce que c'est? Le but de ce pantalon, quand vous allez prendre des jets pour limiter l'afflux sanguin vers le bas, comprimer la partie inférieure du corps, faire en sorte que votre cerveau il soit irrigué le plus longtemps possible pour pas perdre connaissance. Ah ouais, c'est solide quand même, c'est bien attaché. Mais c'est pas fini. Le mollet là, faut pas que ça trop gros. C'est comme des bases de tension en fait, quelque part. Ça va? C'est là qu'on filme. Voilà. Maintenant, on va mettre le masque. Voilà, j'ai du l'air ici. Je vais le boucher maintenant. Vous allez plus pouvoir respirer. Le but, c'est de vérifier si c'est bien étanche. Vous respirez plus? C'est bon signe. C'est bon signe. Cette visière là, elle reste baissée. Ça, vous le faites pivoter. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de vomir. Oui. Déjà? Non. Ah bon. Voilà. Et au cas où, bah, le Redund, il veut sortir, et bah, y a tout pour vomir. Faudrait avoir pareil à la muscu après le jour des jambes. Damn, Nicolas. Enchanté. C'est ton avion? C'est pas mon avion, mais chaque avion est attribué. Ah, t'as réussi à rentrer dedans. Alors, explique un peu toi ton métier au sein de l'armée de l'air. Moi, je suis mécano sur Mirage 2000. Quelles études t'as fait? J'ai intégré l'armée de l'air à 17 ans. C'est ni plus ni moins qu'un lycée, mais vocation militaire. J'ai un. Où ça? Sur Twitch. Ah, ah bon, il est en train de diffuser sur Twitch? Non, il en... non, non, il regarde un autre. Putain, c'est bon, il cherche un instant. Ouais. Je vois la porte s'ouvrir. Bon, est-ce que je me rappelle comment est-ce qu'on démarre ce bordel? Alors normalement, si tu regardes ton armement, j'ai déjà mis pas mal d'armement. Enfin, j'ai mis des fumées, fumigènes, rouge et bleu. Rouge et vert, pardon, plus un réservoir central dedans. Je regarde sur la touche F2. Alors, ouais, je me rappelle plus quelle touche j'avais attribué pour. Je peux pas te dire. Ah bah t'as démarré là? Attends, on va essayer. Parce que moi j'ai pas commencé le démarrage, moi, c'est pour ça.
turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Putain, c'était quelle touche, maintenant je me rappelle plus. Là, tu l'as démarré, là, je pense. Non, mais je regarde les touches pour les fumigènes de tout ça. T, touche T. Communication. Et la touche T, hein. Est-ce que j'ai mis mon IFF en... Oh, ça bouge. T'as la verrière d'ouverte encore? Ouais. Moi aussi, tu me diras. Ah, il y a un truc qui râle. Ah bah oui, c'est, j'ai oublié de mettre. On va pas se mettre en annulement. On se met en save. Voilà, ça fait. J'avance. Ah bah si on l'avance tous les deux en même temps. Vas-y. Ça va faire boum, hein, non? Ah, tu m'étonnes. Vas-y. Bon, donc j'ai mis un réservoir central, hein, pour nous deux. Et quand il sera vide, bah, il va falloir le larguer. Hein. Je regarde juste les lights, elles sont allumées. Petite vue extérieure. Oh merde, d'abord take-off, c'est pour... Ok. On partait. J'ai pris un peu vite là. Ah putain, j'ai pas le réservoir central. Bon, tant pis. Bah si, tu l'as vu, tu l'as normalement. Je regarde. Ah oui, t'as pas le réservoir central. Bah t'as qu'à le demander, tu peux le demander. On s'arrête là, stop. Et tu le demandes. Stop. Et tu fais communication, équipe au sol. Putain, normalement, t'as dû l'avoir. C'est Ah merde.
Alaska Light. Il s'appelle comment le réservoir central? Long Range, je pensais ça, non? Putain, j'arrive pas à sortir maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Ah voilà. Équipe au sol. Armement faire le plein. Donc il s'appelle. C'est un. Tu dois être sur l'emport numéro 5. Tu vois tes emports numéro 1 de 10 à. De 1 à 10. Ah attends. Celui-là il est en train de me mettre, mais c'est pas les bons trucs. F8, F1. Et c'est lequel tu dis? Alors, sur l'import numéro 5, ça doit être un réservoir de carburant RPL522 de 13 000 litres. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et ensuite, en 9 et 1. Tu vois les imports 9 et 1? Alors attends. F8, F1. Vide. Alors en 5, on avait dit réservoir RPL. Ouais. Après 9 et 1, c'était quoi? 9 et 1, tu vas dans pod. Ouais. Et tu demandes une requête verte sur le 9. Et sur le 1, la même, un pod aussi, roquette rouge. Enfin, c'est un smoke winder, ça s'appelle. Tu les vois? Vert. Voilà. Ok. Et puis c'est tout. Ben maintenant, tu n'as plus qu'à demander. À attendre qu'il te fasse le chargement. Ah, t'as déjà la centrale. Ouais, il a fait le plan, je crois. Ouais, et maintenant il te manque encore les pots de roquettes. Bah ouais, je sais pas pour l'instant. Ah, ça y est, il est en train de les mettre, ouais. Voilà, il les a mis. Complet. Ouais, complet. Allez, on continue le taxi. Et quand il sera vide, il va t'indiquer par une petite lumière orange. Le central est vide, il faudra le bal virer hein, parce que ça fait une traînée supplémentaire. Là, on sera un peu moins emmerdé par les autres. Voilà, je mettrai sur mon aile droite. Avance. Encore ? Ouais, tu te mets carrément sur ma droite. Ok. Voilà. Alors donc, j'attends qu'il ait fini un truc.
Donc on va rester un moment dans l'axe pour une montée sur 10 000 pieds. Oui. D'accord. Ensuite, je regarde le cap qu'on devra prendre. Allez, donne-moi mon cap. Bordel, ça. Ensuite, pour rejoindre, on va prendre ensuite un cap du 310. Moi, je te le dirai. Ok, ça marche. Oui, parce que l'autre, il est en train juste de décoller. Hein, donc, il y a le temps. Encore. Ah bah, les pieds sur les freins. Ah, reçu, pieds sur freins. Pieds sur freins, on a tout bon, tout est bon. Tes anticols, tu les as pas mis, t'as mis aucun light, c'est pas grave. Et... J'ai mis aucun à temps. Alors, voilà. Attends, je les allume. Là Il faut que tu... Il y a deux positions, il faut que tu les mettes la plus forte. En multijoueur, il n'y a que comme ça qu'on les voit. Voilà, là je les vois. Ça marche. Ok. Allez, donc pied sur les freins, on monte la puissance à 80%. Et on lâche les freins et top PC. Donc t'es parti doucement toi, hein? Ouais, mais pas la PC, je sais pas pourquoi. Je suis à 90. J'enlève la PC alors. J'ai décollé. Et les trains sont rentrés. Alors, putain, on va. Mais pas la PC. Je vais réduire un peu ma vitesse alors. Je monte pour 10 000 avec maquette plus 10. Ouais, je sais pas pourquoi il t'a pas mis ta PC. Hein. J'ai pas de PC, je suis à fond à 90%. Ouais. Bizarre. Bah oui. Bon là, je vais pas trop vite, hein, exprès. Hein. Normalement, tu devrais pouvoir me rejoindre là. J'allume mes fumigènes. Ouais, je te vois, je te vois. Un petit coup de fumée parce que je vois rien. Ah bon. Je suis en train de régler mon IFF là pour loquer le l'avion ravitailleur. Allez, maintenant je me mets au cap 310. Toujours à monter ma quête plus 10 pour 10 000 pieds. Je garde les fumigènes et c'est en route. Oui, c'est en route. Je te passe à gauche. Ouais, vu. 310. On va prendre ma montée, je m'étais un peu écrasé et je vais un peu trop lentement. Je suis à 202, 199. Je mets 70% de puissance. Voilà. Sinon, moi, j'essaye de te suivre. Attends, t'es où ? Je suis en bas, j'arrive derrière toi. Oh, j'ai pas de PC, c'est bizarre. Ouais. Ah, 75%, ça descend. 75%, ça descend. Comment ça, ta vitesse descend? Non, non, la puissance. Ah, ça, plus tu vas aller haut, plus ça va descendre, c'est normal. Hein. Ouais, mais regarde comme tu pars, comparé à moi. Bah, là, je suis à 67% à 253 nœuds. Hop, 10 000 pieds, j'ai overshooté l'altitude, faut que je rattrape, je descends un peu. Mais à 60%, on descend un peu trop.
Voilà. À 100 pieds près, hein, c'est ça. Hein. On accélère de trop. Donc je ralentis, je me mets à 50% de la puissance. Ouais, t'es parti trop loin, j'arrive pas à te rattraper. 50%. Je suis à 50% de la puissance, moi. Et maintenant, je cherche sur mon IFF. J'ai pas d'interrogation. Pourquoi ? Il n'interroge rien du tout, mon IFF. Le méchant garçon. Je suis en combien, moi ? Je suis en 6 là. Là. Plus de puissance moteur. Ah bon ? Comment ça ? Moteur coupé. Oh bah t'avais un problème Ouais, on va regagner la base. T'avais un problème, on regagne la base. T'avais sûrement un truc que t'as oublié de démarrer. Mais t'es fumé, je te vois pas. Moteur coupé. Je tombe. Ah bah oui, bah là... T'as dû sûrement oublier un truc. C'est quoi l'éjection ? C'est CTRL-J, c'est ça ? CTRL-E trois fois, je crois, un truc comme ça. Voilà, merci. Ah oui, tu t'es éjecté. Right to light, tu t'es éjecté. Ça, je me demande si j'ai du canon. Ah, l'avion fait plouf. C'est donc bien Colibotti, hein, je crois qu'on avait été parti. Colibotti, ouais. Attends, j'ai plus de HUD, j'ai plus rien, mais c'est quoi ça ? Pourquoi ça fait ça ? Alors, ça, c'est bon. Allez, lorsque j'en approche. Oh la merde, je vais pas faire le tour. Hein. Alors, Colibetti, tu es où ?
Ah, les pistes. Salut Léo. J'ai quoi comme carte graphique? J'ai une 1080. Qui est plus classique. Je trouve pas très fluide, justement, j'ai des micro-frises parce qu'on est en multijoueur. Allez, piste en vue, train sur sortie. Salut les pingouins 22, les pingouins, c'est le pingouin. Trop vite. Liste est courte. Je suis bien sur Call of Duty, en fait. Ah oui, Call of Duty. T'as pas repopé encore? Si, si, mais là, il n'y a plus rien qui démarre. Ah bon? Pourquoi? J'en sais foutrement rien. Comment ça, il n'y a plus rien qui démarre? Ah, il n'y a plus rien qui démarre. L'avion ou ta commande de vol? Ouais, l'avion. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'ai même sorti le parachute. Voilà, touché. Avec un méchant rebond. Mais on a touché. Config tout. Ah, mais on me fait chier avec ces configurations de commandes. Voilà. Bon, bah, on va refaire du pétrole alors, hein, tant qu'on y est, hein. Couper par là-bas. Se mettre sur le parking de l'aviation générale. Oh, tu n'as pas réussi à tirer au canon, moi. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. J'avais les obus. J'ai pas encore tout configuré, moi, l'armement dans ce bordel-là. Ah oui, j'ai mon réservoir central HS. C'est pour ça qu'il gueulait. Bah, j'ai posé juste un mon central vide, pile poil. Tu sais pour comment HUD s'affiche pas? Parce qu'il faut, lui dire, faut appuyer sur le bouton. Il faut. Ouais, mais c'est bizarre. S'affiche pas. Non. Le radar en bas, oui, mais le HID du dessus. T'as bien switché le petit bouton qui est juste à En bas côté. à droite. En bas, à gauche. Hein, quand tu as la tête devant ton cockpit, non, je me suis paumé là avec tout ça, moi. Quand tu as la tête dans ton cockpit, Ouais. alors où tu es censé avoir le HUD qui devrait s'afficher, en théorie, Oui. sur le côté gauche, tu as marqué FF, Call, tu vois les boutons en bas, un peu plus bas, tout petit peu plus bas. Ouais. Et ben, un peu plus bas, tu as encore un tout petit bouton à peine visible en dessous du mot PRED. T'as un autre petit bouton en dessous. Oh. Et c'est là qu'il faut l'allumer. Ah ouais, faut le voir, hein. Ah oui, t'inquiète, bon, au début j'ai cherché. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai demandé. Je vais demander ici de faire le plein et de réparer tout mon bordel. Donc j'arrête mon moteur.
Je sors un labéré. Il est fini le vol en forêt. Non, Foro, j'ai pas décollé sur la pelouse, j'ai mis de la place. Comment on enlève ce... Je sais même plus comment... Ah, voilà. Un groupe de parc. Donc t'arrives, sinon je vais plus avoir de batterie, moi. Mais... Bon, j'ai mon central HS, donc on va profiter pour en remettre. Équipe au sol. Il faut d'abord que je fasse un réarmement, non, une demande de réparation. Pour qu'il me remette mon drag, mon parachute. Ouais, moi, ce que ce soit en, parce qu'on voit plus le percule s'il a pété ou pas. Bon, je vais demander simplement le réarmement et faire le plein. Équipe au sol. Réarmement, faire le plein. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Pour maximum. OK. Voilà. Tu n'as toujours pas réussi à démarrer? Si, c'est bon. T'as remis les pods, le pod central et tout? Ouais. C'est tout pour là. Bon, ben moi je suis en train de refaire du pétrole. Ben, j'espère. Et là, il m'a pas remis mon central. Rearming complete. Army complète, va chier, non, il m'a pas fait mon central. Oh putain! Pourquoi il m'a pas mis mon central? Hop. Obus canon, tiens, je dis j'en ai. On va remettre du pot de carburant. Request refueling. Request rearming. Copy. J'entends un truc partir là. C'est toi qui as démarré? Ouais, c'est moi, ouais. Ah voilà, j'ai mon central. J'ai pas de PC, je sais pas pourquoi. Je te vois même pas, je sais même pas où tu es. Sur la piste. Hein? Quelle piste? Attends, il y avait bien qu'une seule piste? Ah. C'est sûr que t'as atterri sur la bonne. J'ai pas atterri sur le bon aéroport. Je me suis planté. Avec ces putains de noms russes aussi. Red Toulaye, t'es là toi, d'accord. Oh putain. Ah, le nabo. Et toi, tu me fais chier que t'es ficelle avec moi. Je me suis planté. Bon, pourquoi j'ai pas de PC? Il y a un truc qui joue pas là. Bon, ben moi je refais la mise en route. Hein. On va venir te rejoindre. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y avait une commande spéciale pour le PC, non? Il me semble. Non, c'est plein pot. Rearming complete. Bon, ben, j'ai décollé dans l'axe et je te rejoins. C'est beaucoup plus au sud par rapport à ma position. On verrouille tout ça. Il faut encore modifier ça. Oh putain. Ça c'est bon, on la quitte. Allez, coucou. Un frein de parc desserred. Pied sur les freins.
Et top PC. Boum. On verrouille la molette. Oui, je m'en branle. J'ai trompé l'aéroport, hein. Une lousse gueule. 140, 150, rotate. Train sur entrée. Bon, on avait dit plein sud pour moi, pour te rejoindre. Par contre, je reste à 10 000. T'as toujours pas de PC alors ? Si, si, c'est bon. Ah. Si. Je te cherche. Ah, c'est vrai, je peux pas faire d'interrogation. Je sais pas pourquoi je peux pas faire d'interrogation. Sur mon IFF. Mon IFF ne marche plus. On monte à 10 000, hein, tous les deux ? Oui. Ok, je me mets à 10 000. Ah, je t'ai vu. T'es sur mon radar. J'arrive. Et donc. Par contre, j'ai toujours pas d'interrogate seal. Ah voilà, je te vois. J'aurais dû m'apporter. Non, là, je l'agrandis. Là. Alors, si tu te sens loqué, pas no stress, hein, c'est moi. Hein. Ouais, ça marche. De toute façon, j'étais au radar. Bon, il veut pas loquer, moi. Et moi, je descends comme un con. Ah non, parce que je descends comme un con, parce que c'est pas toi. T'es suivi. Bah, écoute-moi, j'ai quelqu'un au radar. Est-ce que c'est toi? J'en sais rien. Bah, à force de se chercher au radar, on va se rentrer dedans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est bon. J'ai dit mon IFF parce que je me rapproche de toi. Apparemment, je me rapproche d'un type. Un grand... truc, hein. Bon, je monte toujours 10 000 là, moi. Oh bah écoute, moi j'y suis 10 000. Oh ah putain. Non, putain, je suis même trop. Couper la PC. Ah oui, fais gaffe à ton pétrole. Hein. Allez, maintenant je vais rejoindre les côtes, moi. J'allume mes fumigènes. Comme ça, tu me reverras. Là, je longe les côtes, moi. Vers le nord. Ouais. Si tu regardes sur la carte, tu es en train de remonter. Ah, parce que moi, je t'ai perdu. Je t'ai perdu radar, là. J'ai allumé les fumées. Ah, vu. Ah, ok. Visu sur toi. Bon, reste à 10 000, j'arrive, hein. Altitude stabilisée. Ouais, ouais. Ah merde, forcément si je faisais demi-tour. Non, non, tu continues vers le nord. Tu prends le cap 330. Ouah, tu fais quoi là? Je t'ai vu, j'allais faire demi-tour. Mais je continue à longer les côtes 10 000. Ah, mais moi je t'ai perdu avec tout ça. Non, non, continue, tu me verras. Ouais. Je suis juste en dessous de toi. Non, non, c'est moi qui suis en dessous de toi maintenant. À 10 000, à, je vais dire à 70% de vitesse. J'ai toujours le fumigène. Ouais, reste en fût parce que là, je suis en train de rejoindre la formation. Fût. Quelle vitesse? 450, 460. Ah, mais essaye de frôler les 300 plutôt. T'as coupé tes fumées là. Merde, excuse. Tu
Je te cherchais pas au radar, j'étais quand même au radar, mais bon. Bon, après, tu as quelle vitesse? 306, 7. Parfait, parfait, je te rattrape alors. 304, stable. Ouf. Ça passe vite à côté, hein. Ah putain, je te vais re-shooter, va te chier! Attends, je reste dans ce plafond-là et tu vas m'attraper. Tu bouges pas ta vitesse, hein? Ah, tu passes sur ma gauche. Ah ouais, c'est prévu pour. Tu Non, vas passer non, vers toi? non, 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 cherche pas. Non, je te coupe la gueule un peu. Bouge pas, hein? Non, je bouge pas. De toute façon, je suis en autopilote, donc. Voilà, tu vois comment on se remet en position? Ah, oh, merci pour le follow! Et bien sûr, Konakiwan. je suis en train de te perdre de nouveau. Putain, il s'écroule vite en Putain, je t'ai vitesse, hein. perdu. Non, non, ça Je t'ai bouge. perdu. Touche pas, touche pas, touche pas, touche à rien. 40%. Voilà, moi je suis bien là, je suis juste à côté de toi. Enfin, en rapprochement et en visu, juste à côté de toi. 320 nœuds, je me rapproche Et puis tranquillou. j'ai rien au radar, moi. Ben, c'est normal, je suis derrière toi. Ouais, bah oui. Par contre, tu dois avoir au moins l'avitailleur en face de nous. Moi je l'ai, hein. Non, j'ai pas de ravitailleur. Peut-être si j'éloigne la distance du radar, mais je sais pas comment Oui. est-ce qu'on fait. Ah oui. Moi je suis à combien? Moi je suis à 20 nautiques, je l'ai aperçu. T'es sûr ta vitesse, toi? Bah écoute, 302. Sur la HUD, elle est bien à gauche, en haut à gauche. Ouais. Ouais, 302. Voilà. 9820 pieds. Joli. C'est moi qui arrive pas à me rapprocher de toi, chier quoi. Ouais, je te vois derrière. Voilà. Les fumigènes, ça m'embrouille là, parce que je vois pas. Bah, c'est pour ça que j'ai mis du rouge et du vert. Comme ça, rouge, ça veut dire que je suis sur ta gauche. Je crois que je suis à 40 nautiques et je vois pas le ravitailleur. Il a quelle altitude le ravitailleur? 10 000 pieds, 10 000 tourons. Ah, je suis juste derrière ton cul, là. Ouais, je te vois, je vois sur stream. Ouais. Bon, je change ma configuration de vol. Ah, donc, j'étais. Ah bah moi je vais mettre en bas, voilà. On va sur la quelques ravitailleurs. Voilà, vol formation. Fumigène, tous les deux! Ok, bon, moi j'ai recherché maintenant ce putain d'avitailleur.
Alors, 10, 20, 40. J'augmente. Putain, il est où? Ah, c'est, je suis en train de chercher sur la carte. 320, 320 nautiques. F10. Ah, nous, on est là. Ah, je crois qu'il y a que nous. Hein. Non, 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 j'en ai mis un là. Nous, on est là. Un C130. Ouais, ça sert à rien. C'est pas celui-là. J'ai un autre, c'est quoi? Un ravitailleur, ok. Et voilà, il est un. Ouais, il est loin, il est loin. Il est carrément en or, mais il va revenir vers nous. Hein. Il fait que des zigzags le long de la côte. Hein. Il fait que ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Vitesse 249, altitude 10 000, direction 300. Ouais. Ah, il change. Il change direction. Ouais, il revient vers nous maintenant. Ouais, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Ouais, ouais. Tu te mets au 310? Allez. Tu dis, hein, c'est toi qui dis top, 310, top. Allez, top, doucement. Et quand tu es au 310, tu dis, je rends la main. Ah, le 310, ça fait aller en pleine mer, ça, le 310. Ah non, moi, je suis pas en pleine mer, là. Moi, j'y suis, là. Je viens de le dépasser. Maintenant, j'arrive plus vers le 300, là. Bah là, ça m'indique 160 chez moi. Ouais, t'as pas réglé ta centrale inertielle, c'est pour ça. Ah. Bon, allez, tu me suis, 300. Là, moi, je suis au 300. À toi de me suivre maintenant. Ok. Attends, il faut que je te perds. Je suis sur ta gauche. Ouais. Ouais, t'as pas. Il faut que je te montre comment on règle une centrale inertielle. Et pense à switcher le petit bouton que je t'avais montré pour avoir une vitesse un peu plus stable. Ouais, je l'ai mis le bouton. Hein? Même si tu avais balancé un message d'erreur. Voilà. Salut Lolo, salut. Toujours en mode apprentissage hein, pour nous deux, vol formation. Bah on s'améliore hein, quand même, hein. Bon, c'est pas encore ça, mais... Et il nous reste, allez, on va dire une minute sur le central, et après il faudra le larguer. Vu sur du trafic qui nous arrive vers nous là. Ouais, j'ai un trafic à 2 heures. J'essaie de loquer. Putain, je peux pas loquer en IFF. J'arrive pas à les loquer sur mon IFF. J'ai oublié de mapper la touche. Va chier, merde. Ah, oh, quel con. Je peux pas loquer la cible. C'était quoi pour loquer la cible? Ça? Non? Non, bah voilà, j'ai oublié de mapper cette touche-là. Et de toute façon, il me fait même pas l'interrogation. Pourtant, j'ai fait... Hein, le CIL, il n'est pas d'accord. On se met en mode police. Ah, il part, il arrive. Donc, ah oui, c'est le C-130 qu'on a chopé. Et nous, on est où, là, avec tout ça? Ah oui, c'est le C-130 qu'on a chopé qui arrive vers nous, mais on n'a pas encore
Le truc habite ailleurs. Il est loin. Hein. Il est loin. Ouais. Il est à l'autre bout de la map. Mais il arrive. Hein. Il arrive pas vite, mais il arrive. On va changer de cap. Je sais pas. Attends, je regarde où tu en es. Je vais prendre légèrement à gauche pour m'amener au 280. Ok. Je te suis. Ok, attention. Top pour 280 au virage gauche. Et doucement. Et je rends la main. Autopilote engagé. 303 nœuds pour moi. Ah, t'as vu, on l'a. Tu étais vachement éloigné de moi là. Hein. Ouais, je reviens sur toi, je t'avais perdu. Ah, coup de fumée peut-être ? Non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, c'est bon. Doucement les virages, doucement, doucement. Voilà. C'est sensible, hein, c'est un avion de chasse, hein, c'est pas un Boeing ou un Airbus. Hein. Bon, moi je travaille sur mon radar parce que je comprends pas. Ah, vu sur la vue d'ailleurs. Il est là. Ah, centrale vide, va falloir le larguer. Putain, il veut pas me loquer sur... Il y a une touche de prédéfinie pour larguer la centrale ou... Pour larguer la centrale. Alors, je t'explique. Oui, il s'allume, mais normalement, ton central, il te dit qu'il est vide. Ah ouais. D'accord. Alors, sur ton panel de gauche, OK, où tu es en haut, les radios, où tu es avec ton autopilote, d'accord, tout ça. Uh-huh. Ensuite, tu as un gros bouton Switch Master Arm, interrupteur de sécurité armement. À défaut, il est en bas. C'est un gros bouton rouge. Où tu as marqué radio, Paul, TAF, FUN, AP en vert. À côté, à gauche, tu as un gros bouton rouge. Tu le lèves. Ouais, ça, c'est fait, ouais. OK. Ensuite, en dessous du bouton rouge que tu viens de lever, tu as un autre bouton orange grisé. Tu le lèves et tu as un petit bouton à l'intérieur que tu switches. Oui. D'accord. Ensuite, avec ta souris, tu sélectionnes AP. Il faut qu'il soit allumé. Tu vois ? AP. AP. Là, tu avais avant fun, tasse, enfin, tu avais des trucs verts allumés. Et tu sélectionnes AP. J'ai pas ça AP. J'ai ouais. Fun, rien, RP. Pas AP. T'as un central au moins, toi ? Ouais, j'ai le même truc que toi, mais j'ai pas de AP. Ou RP, pardon, c'est RP. Il y a marqué fun, RP. Ouais, RP, ok. Tu cliques une fois sur RP. Ensuite, tu regardes, tu te mets en vue F2, vue extérieure, et tu tires avec tes trucs. Et tu verras, ton réservoir, il va partir. Tu tires. Voilà, et moi aussi. Hop là, largué. Génial. Je ne sais pas si on peut transférer du pétrole en avitaillement. Je n'en ai aucune. Ensuite, tu remets l'opercule, tous les opercules, armement master, tu le redescends, tout ça, quoi. Et tu changes ta configuration, tu la mets en light. Voilà, c'est bon. C'est tout. Voilà, tu as largué ton réservoir. Ouais, et pour si un jour tu veux larguer des bombes, des trucs comme ça, c'est le même système, sauf que le pod ne sera pas le même. Quoi. Sauf que, non, pour larguer les bombes, tu vas pas larguer, tu vas pas dégoupiller aussi le petit l'armement, le largage d'armement, machin. Quoi. Bon, on arrive après de notre avitailleur.
Je rédis ma portée radar. Alors oui, ah ça y est, il a répondu à mon IFF. Par contre, j'ai oublié de mapper cette putain de touche et donc je peux pas le loquer. Ah putain. J'avais choisi. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, ça c'est mon interroguette. Bon ben je peux plus le. Quelle vitesse? Et normalement il est à 259. Hein. Non mais toi? 319. Je réduis. On va le croiser. Ça va faire. Je suis même pas sûr de le voir. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, quoi. Ah, quoi qu'on est loin encore. Hein. Ouais, on est loin. Ah non, c'est l'Hercule C-130 qu'on voit nous arriver sur le coin de la gueule. Ouais, lui, on va le croiser, ouais. Ouais, mais bon, il est plus bas, je crois. Je l'ai fait partir popper plus bas. Enfin, voilà, allez, on continue à faire notre rapprochement en vol formation. Bon, donc, essaye de te rapprocher, toi. Oula, doucement, doucement, doucement. Voilà. Allez, plus proche, essaye plus proche. Doucement, hein, des petits à-coups, tranquillou. Tu choisis un côté, ou tu veux aller à gauche ou à droite. Doucement, doucement. Allez, doucement, voilà. Hop, hop, hop. Youhou. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, hein. T'as perdu le. Ouais, faut un point de référence, c'est en gros le cul de l'appareil qui te suit, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis une fois que tu l'as perdu, après. Tu le cherches et puis là tu pars en vrac, quoi. Ouais. Voilà, là c'est bien, là, ouais, parfait, parfait, parfait. C'est bon ça. Voilà, essaye de stabiliser le tout. Ah, tu vas me gratter le cul, là. Là, je te passe. En plus, mon appareil commence à ralentir. Et ça, normalement, il faut le faire en manœuvre aussi. Hein. Tu vois, il va tourner à gauche, à droite. Hein, tu vois. Ah ben si, hein, c'est faisable. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Oui, c'est faisable, c'est sûr. Mais... Ah, c'est chaud, hein. C'est franchement chaud. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Bon, tu vois, il y a une piste à droite, là. Sur notre droite. Bah, on se pose dessus. Allez. Allez, go. Hop. Bon, moi, je sais pas pourquoi j'arrive pas à allumer mon interrogation. Parce que je suis en mode police, là.
Oh, elle est pressée à rentrer à la maison, hein? Tu crois que tu arriveras à sortir le train, là, à cette vitesse? Si, 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 si. Mais moi, je suis déjà beaucoup trop vite. Ça va? Un sur sortie. Putain, il m'avait réglé mes freins sur série. Pourquoi? Attention, pas trop l'écrouler. T'as posé là? Oh, oh. Bon. Une réponse. Bientôt. Touché. Il est dur à poser, hein. Il est... Ah, il rebondit, ouais. Ah, il rebondit. Moi, j'arrive. Quand j'arrive pas, quand j'arrache pas le train, je rebondis. Donc, je me sers du. Je tire loin et puis après, je parachute, quoi. Je tire le parachute. Oups. Allez, hop, parachute. Oh putain, je me tire. Pourquoi? Pourquoi tu veux te tirer? Voilà, moi j'ai posé, hein. Ouais, la vitesse... Pourquoi j'ai de la fumée, moi, ou quoi? Ah oui, j'avais de la fumée. Ouais, la vitesse... Ah, oh, mais sortir. Ouais, la vitesse d'approche est enfin assez élevée, oui et non. Hein, d'après ce que j'ai lu, la doc, en configuration lisse, là, comme c'est actuellement, son approche est de 150 nœuds. Bon, je vais au parking à gauche, là. Ouais, moi je dois m'absenter. Bah, ok, bah, j'ai arrêté le stream. Tac, F11. Bon voilà, c'était sympa. On s'améliore petit à petit sur les vols de formation. Ouais, c'est clair, c'est donc, clair. On peut se programmer ça tous les dimanches à peu près, quoi, hein, comme tu veux, quoi. Oh, bon, généralement, je suis tout le temps là. Hein. Je reviens dans 5 minutes. Ok, moi j'arrête le stream. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Je me gare et je vais arrêter tout ça. Bon, faut aussi que je modifie la mission parce qu'effectivement mon avion avitailleur était un peu trop loin quoi. Le fait de le rejoindre, bah on aurait été à court de pétrole quoi. C'est un peu con quoi. Et encore on n'attaque pas tout ce qui est armement. Hein. Puis pas, hein, s'il faut encore paramétrer tout ce qui est armement. Ouh. Allez, hop. Hein. Frank Park s'arrête de l'ouverture de la canopée. Ouh. Quoi? Voilà. On va arrêter le Tagazu. Oula. Il a coupé court, hein. Bon, j'arrête pas tous les instruments. Et voilà. C'était un vol formation sur Mirage 2000. Hydraulique. Bon, il est quand même beau, hein, cet avion-là. Voilà, donc bah, merci à tous de nous avoir servi, merci pour les follow, et à très bientôt. Donc on continuera, nous, à nous entraîner à faire des vols formation pour
pour se serrer, de faire des vols après, des boucles, des tonneaux en formation. Alors là, par contre, c'est pas gagné. Mais bon, voilà. Donc, je vous remercie à tous. À très bientôt sur Azure Line.